pour faire des affaires bizarres de même, mais dans le fond, là, il n'y a jamais personne qui a testé ça. Ben là, tu veux pas qu'on fasse ça, Léa? Ah, non. Mais... non, c'était juste une idée. Moi, ça me tente, en tout cas. Moi aussi! Ah, ok, ben on se rejoint demain chez moi à 7h! C'est bon? Parfait! Ah, super, go! Bon, merci d'être venu. Là, avant qu'on commence puis qu'on saute au manuel, j'ai quelque chose à tester. La prof de maths la semaine passée m'a dit que mon plan était impossible. Ben, elle m'a dit qu'il y avait trop d'objets pour qu'on rentre dans un si petit espace. Moi, je dis que ça fonctionne. On essaye ça, OK? OK! Bon, OK, on peut commencer! Je vous l'avais dit, ça fonctionne! Ah, mais là, faut qu'on montre ça à ta prof, là! Go, selfie! Premier problème, les filles. Combien de ranges faut-il si chacune donne 25 ml de jus à 2 mol par litre et qu'on veut 100 ml de jus d'orange concentré à 0,2 mol par litre? PS, n'oubliez pas le sucre. Ben, moi, je trouve ça simple. Vous savez quoi? J'haïs ça, les sciences. Tiens! Parfait! Ishli Schladen est une gymnaste enjouée. Pourquoi ils mettent des noms et des émotions aux personnages dans les problèmes de maths? Ouais, pourquoi ils mettent des personnages tout court? Ça fait juste nous mélanger. En tout cas, là, faut continuer, les filles. Donc, Ishli... elle mesure 5 pieds 2 pouces. Mesurez, les filles. Lorsqu'elle s'apprête à effectuer un grand écart, elle réalise qu'elle porte des jeans. Puis, change d'idée. Elle décide de faire un pont croisé vrillé de 45 degrés sur le côté droit. Elle commence par former un pont simple. Quelle est la longueur de son auriculaire si son pied droit est sous son pied gauche et que ses mains sont séparées de 20 cm? Les filles, qu'est-ce que vous faites? Léa, dont les yeux sont à 1,8 mètres du sol, regarde un scarabée se trouvant à 0,7 mètres de ses pieds. Quelle est la mesure de l'angle de dépression? Bon, ça a l'air faisable. On trouve notre cobaye? Okay. Oui. Oh non. Quoi? Je pense que je l'ai tué. Non! Tant pis les filles, faisons un autre problème. Lors d'une journée ensoleillée, Suzanne donne 3 poulets à Paul. Paul vend son auto 3 000 $ à Ginette, qui bénéficie d'assurance d'un an sur un chaudron en argent.
La pelle de Suzanne et le casque de ski de Paul ont la même couleur. Le jardin de Ginette est un triangle rectangle qui contient 3 plants de tomates et 4 citrouilles. Si on dit que la température extérieure du 20 septembre 2012 était de 10 degrés Celsius et que Paul n'aime pas la neige, combien d'éléments de bronze contient la cuillère de Jacques? Oh, enfin un problème normal!